Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 154 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à Spider-Man 3. Je l'ai dit avec accent anglais, mais bon, on pourrait dire Spider-Man 3 tout simplement. Donc c'est un jeu adapté du film, et comme tous les jeux adaptés du film, adaptés d'un film plutôt, c'est rare que ce soit bon, et on va s'apercevoir qu'ils se sont vraiment plantés. Mais on va le voir ensemble et on va y jouer. Et donc c'est parti, Binox, des éditeurs et des développeurs que je ne connais pas. Donc c'est parti. Alors bon, bah voilà, la licence pour le film, super. Allez. Un petit peu long Columbia. Voilà, j'avais complètement oublié le nom, en fait, c'est pour ça. J'ai pas osé le dire avant, mais voilà, Sony Pictures Entertainment. Entertainment. Alors, continuons. Ça vient, je sais pas si ça vient, je sais plus du tout. Je sais qu'il est nul, mais. Alors bon, si vous aimez Spider-Man, faudrait mieux éviter de regarder cette vidéo et ce test, parce que vous allez vraiment être déçus. Plutôt c'est vraiment ceux qui ont développé ça qui se sont foirés. Donc, Spider-Man 3, chargement. Ça commence direct, je vous laisse la petite introduction. Tout est prêt, monsieur Carlyle. On décolle. Spider-Man! Pas d'autographe, merci. Donc pas grand chose à dire pour l'introduction, mais par rapport au gameplay, alors vous voyez tout de suite que ça démarre direct, hein, il faut vraiment être au taquet très vite. Donc là je connaissais un peu les touches, donc bon, attaque rapide, attaque puissante, il n'y a que deux attaques possibles. Enfin deux attaques, donc un coup normal avec le clic gauche et un coup un peu plus fort avec le clic droit. Alors les combos, là il m'explique en gros comment faire des combos. Ils vont m'expliquer aussi comment faire des blocages, des contre-attaques. Et donc là il faut que je fasse des contre-attaques après. Donc direct charge, regardez, hop, ça c'est des coups directs. Pour l'instant on va juste dégommer les ennemis. Donc c'est une sorte de mini tutoriel pour commencer, hein. C'est pas vraiment l'histoire, même si bon bah on a vu la cinématique, on est quand même rentré dedans. Voilà, esquiver deux attaques, donc il va falloir que j'esquive deux attaques. Donc ça tombe bien, il y a deux mecs. T'en fais pas. Voilà. Pour les prochains ennemis, je veux que tu suives les instructions à l'écran. Exécute tous les mouvements indiqués. Donc voilà, n'oubliez pas maintenir en fonçant A pour esquiver. Donc il faut, pour esquiver, que je maintiens A. Sauf qu'il faut que j'esquive une attaque, donc en fait il faut pas que je tape. Voilà. Une esquive réussie, il va falloir que j'en fasse une deuxième. Voilà, éliminer les criminels. Donc ça c'est pour terminer. Putain, ils me tirent de boules de feu, je sais pas comment ils font, mais ils le font. Voilà. On remarque quand même que mon personnage disparaît et qu'il réapparaît toujours au même endroit. Bon, la transition est vraiment légère. Comme je vous ai dit, le gameplay il est vraiment vite fait quand même, hein. On se bat mais tout est saccadé. Regardez, le moindre mouvement que je fais, on dirait qu'ils ont enlevé des images. Ça fait assez bizarre, ça. Bien tenté, mais non. Cette fois, vous avez vu, regardez quand je tourne, c'est horrible. Regardez la caméra qui se bloque. Ah, effectuer trois contre-attaques. Oui, alors il fallait que je fasse des contre-attaques parce que du coup je parle, mais je oublie de jouer. Donc là, ils vont me renvoyer trois ennemis jusqu'à que j'ai réussi à faire mes contre-attaques. C'est-à-dire que si j'arrive pas, hop, voilà, une contre-attaque, c'est fait. Il faut en fait que j'attende, que je joue sur l'esquive. Ils me mettent le coup, ou je sais pas. Et en gros, quand le bouton s'affiche, il faut que je fasse un clic du milieu. Alors attendez, hop, voilà. Ah non, c'est une attaque normale en fait. Hop, donc encore une seule contre-attaque. Voilà. Et mini criminel. On se passerait rapidement des commentaires de l'individu qui nous parle en même temps. Maintenant, tu te dépêches de découvrir qui essaie de faire sauter l'immeuble et tu sauves tout le monde. Tiens, je t'ouvre la porte. Et vous verrez que ça devient très vite saoulant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu montes. Voilà. Ah ben, je peux pas vraiment laisser le son pour lui. Parce que je sais pas quand c'est qu'il parle en fait. Voilà, lorsque vous faites des attaques en chaîne, remplissez votre jauge de combo rouge.
C'est bien, deuxième message, lorsque je combo est pleine, elle se met. Il pouvait pas l'afficher tout dans une fois. Ah, vas-y, encore une troisième fois. Pour le moment, disposer qu'une seule super attaque. Ça me bloque quand même trois fois mon écran à intervalle. Double saut disponible. Hop. Oh, sympa les doubles sauts. Ça sert un peu à rien, mais. Parce qu'il y a un plafond, voilà. Vous savez qu'on touche le plafond. Hop. Et on peut détruire le décor. Petit détail plutôt sympa. Mais qu'est-ce que ce gameplay est dur. Regardez-moi ces ennemis qui... Et ce truc là qui apparaît, cet overlay. Mais... Encore? Vous devez effectuer une super attaque. Et tant que je réussis pas, ils me font recommencer. J'hallucine. Allez! Je vais faire une super attaque. Ah là, ils m'ont mis à terre. Il faut que je fasse une super attaque. En fait, comme la jauge là-haut, elle est bien rouge. Allez. Il faut que j'appuie sur refaire ma... Voilà. Ma super attaque, je l'ai fait. Donc ils sont contents, éliminer les criminels, défi réussi, super. Regardez-moi cette caméra qui n'est jamais au même endroit. C'est horrible. Appuyez sur... Ah voilà, j'ai trouvé la touche. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce touche? Mais c'était le E en fait. Le E 1. Le E, je sais plus comment il s'appelle ce E. C'est un... le E qui est sur la touche 1. Là, ils me disent qu'il y a un ennemi là-bas. Ouais, il a fait sauter le mur. Et donc bah du coup je vais pouvoir le suivre parce que s'il avait pas fait sauter le mur, rampe sur le mur, je pouvais rien faire. Rampe sur le mur. Tu dois être au plafond. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Oula, on voit super bien. Où c'est que je vais? Ah non, non, par là, voilà. Ah ouais, donc vous voyez, là je vous ai dit c'est super mal fait. La vue, elle est mal faite. Donc là j'ai fait ça, c'est bon. Pour celle-là, c'est bon. Qu'est-ce que... Oh merde. C'est sérieux ça? Ah, je suis nouveau au sol. Ah, faut que j'y retourne. Alors, hop, 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 hop. Oh, la caméra, elle va me rendre fou. Donc il est là, l'autre. Si j'y arrive. Oui, j'y arrive à distance. Voilà. Super bien. Vas-y, essaie tes différentes attaques de toi, là. Je suis où là? Il y a deux secondes j'étais dans une salle. Et regardez, c'est pas logique. Il y a deux secondes j'étais dans une salle. Où c'est que je suis maintenant quoi? Là je suis censé normalement ligoter l'ennemi. Ça sert à rien en fait je crois. Est-ce que je peux le ligoter? Comme ça. Oh mais en fait ça sert à rien du tout. C'est génial ça. D'accord, donc ouais, ça sert à rien, donc ouais, faut vraiment que je le tape, c'est juste pour l'empêcher de bouger. Ça sert à rien. Comme il va le dingue, j'ai une force incroyable, je le fous dans le feu en plus, super. Je peux pas passer, donc il faut que j'aille là. Utilise la commande de sprint pour gagner de la vitesse. Ouais, le sprint. On commence à prendre les touches avec Mage. Si je pouvais briser une de ces conduites d'eau, je suis sûr que ça éteindrait le feu. Oh bah ça alors, bah on va briser une conduite d'eau alors. Pourquoi il y a un truc ici là? Ah d'accord. Hop là, et donc là j'appuie sur E. Voilà. Voilà, donc maintenant je peux passer. Tu peux appuyer à nouveau sur la commande de saut pour faire un double saut et ridiculiser les lois de la gravité. Ah là, j'y suis pas arrivé. Oh non, attends, je saute pourtant. Non, mais... Ah, d'accord, mais oui, parce qu'on n'est pas... Ah, ben oui, évidemment. On n'est pas conforme, on aime bien la non-conformité sur Super Spider-Man 3. C'est-à-dire que le saut ne se fait uniquement que quand vous relâchez la touche. Suffisamment longtemps, et oui, pas quand vous appuyez. Tu sais, vous maintenez appuyé en appuyant, ça saute normalement. Et ben là, non. Il faut que vous relâchiez pour que ça saute. N'oubliez pas d'appuyer sur... Donc quoi, c'est pour faire des sauts plus gros. Donc quand on tient appuyé, ça prend plus de force. D'accord. Donc, pour des combos incroyables, réaliser différentes séquences avec ça et E. Arrête d'appuyer comme ça, je te dis que ça sert à rien. Et il me dit, mais n'importe quoi. Et alors, on me dit, un message qui s'affiche, appuyer différentes séquences avec clic gauche, clic droit et E. Et la voix, je sais pas si vous avez entendu, mais la voix vient de me dire, arrête d'appuyer comme ça sert à rien. Je fais quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'appuie pas? D'ailleurs, la voix elle est un peu bête parce qu'elle parlait Spider-Man et Spider-Man il appuie sur rien du tout, on est d'accord. Bon, par quoi? Tu es sur le point d'accomplir une prouesse d'agilité et de vitesse. Mais que ça ne te monte pas à la tête, ok? Fais ça tout le temps.
Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Espace. Oh merde, j'ai... Donc là, c'est un peu de la... l'action... je sais plus comment ça s'appelle non plus, ça c'est un nom. L'action pendant... On demande de participer à une action interactive, en fait, c'est bizarre. Appuie vite dessus. Oui, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que j'appuie sur espace quand il m'affiche espace. Hop là, là c'est bon. Il l'affiche très vite, au passage. Pour pas se louper. Voilà. On arrive ici, donc ça devrait être bon. Il y a un mec là-bas. Non. Une fille. Une fille qui ressemble à un mec. Oh non, l'action! Mais ça va beaucoup trop vite, on n'a pas le temps d'appuyer. Donc là, il y avait une action, il fallait appuyer sur la touche du milieu. Et évidemment, on était sur espace depuis tout à l'heure, maintenant c'est la touche du milieu. Voilà, enfin le clic au milieu. Allez, encore un espace. Voilà. On arrive ici. Évidemment, elle va reparler. Voilà, évidemment. Voilà, ça y est, je le fais. Voilà, c'est bon. Ça va secouer. On est sorti. Merci d'avoir choisi Air Spider-Man. Oh ouais, c'était le moment comique. Voilà, l'action est terminée, on a sauvé. C'est pas sérieux. Dans la vie trépidante de Spider-Man. Ces derniers temps, j'ai plutôt la belle vie. J'ai une super copine et tout New York à mes pieds. Mais tout n'est pas rose, loin de là. Comme ce nouveau photographe au Daily Bugle, Eddie Brock, il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Et Harry, mon meilleur ami, qui refuse de me parler. Et comme si ça ne suffisait pas, de nouveaux gangs ont fait leur apparition en ville. Enfin, rien de bien méchant. Curieusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de super. J'interviens pour dire que si vous n'avez rien entendu sur la scène précédente, c'est tout à fait normal. Ils ont carrément oublié qu'on n'entendait rien du tout avec la musique. Appuie sur la commande de balancement pour lancer une toile. Et appuie longuement sur la commande pour t'accrocher à la toile et te balancer. Donc nous revoici avec un petit tutoriel. Alors on appuie sur la touche du milieu, on saute... ce n'est pas grave, on réessaie. Ah oui, ça, j'ai lâché, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Remarque comme... J'ai pas eu le temps de lire, utilisez commande de mouvement pour vous déplacer de bout en bout. Ça vous permettra de diriger Spider-Man pendant qu'il se balance. Génial. Oh, c'était joli. Comment avons-nous atterri à 10 mètres au-dessus du toit? Bah oui, elle va pas tenir toute seule. Alors, quand tu veux... Là, on est en slow motion. Il faut qu'il y ait un bâtiment ou quelque chose à proximité. Ça va tout doucement, n'oubliez pas l'enfoncer. Attention, voilà, donc ça y est, je saute. Je crois que je vais comprendre comment ça marche. Oui, voilà. Hop là, ça y est, je commence à prendre le coup de main. Tu vois, à l'écran, il te montre forcément quelque chose d'intéressant et que tu devrais aller voir. Et c'est ballot, c'est derrière moi. On m'a dit qu'un truc derrière moi, c'est super, donc là-bas je dois y aller. Donc en fait, je retourne en arrière. Super d'avoir quitté l'endroit où j'étais. J'en viens. Et hop là. Hop là. Avec ta toile. Utilise le stick analogique gauche. Si tu veux aller à gauche, oriente-le vers la gauche. Si tu veux aller à droite, bon, t'as compris l'idée. Oriente le stick analogique gauche dans la direction où tu veux aller. Donc, on reprend la main. Donc c'est super. Et hop là, d'accord, donc je suis pas arrivé. Comment je fais pour partir déjà, moi? Voilà. Non. Hop. Oui. En fait, on avance. On essaie d'aller au point qui est là. Et j'atterris par là. Je sais pas où ce qu'il faut que je fasse. Ok, il y a plus de points. Ouais. Si tu veux aller plus vite, accélère quand tu es en bas de ta courbe de balancement. Ça va te propulser en avant. Si tu veux gagner un peu de hauteur, accélère quand tu es au sommet de ta courbe de balancement. Ok, donc il vient de m'expliquer comment je reprenais un peu de hauteur en appuyant sur la touche mage comme si je voulais courir, mais là, il faut que je le fasse quand je suis en train de sauter. Hein, le contrôle est vraiment horrible. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis avec un PC ou si je fais une manette, mais là, oh, enfin... Ça ne tient pas, le fil, je reste appuyé, ça ne tient pas, c'est comme si... Non, je veux pas aller là-bas.
Non, pas là-bas non plus. Je veux aller ici. Voilà. Autant aller à pied, c'est limite, ça va plus vite, quoi. Mais c'est horrible, le contrôle. Horrible. Voilà, on va d'un côté à gauche, puis à droite, puis à droite. Yop. Allez, on va aller ici. Voilà. C'est pas évident de se balancer. D'accord, je suis même pas arrivé, il restait 40 mètres. Tu arriveras comme un pro. Alors accroche-toi. Ah, encore une chose. Attention aux immeubles. Pour te repérer dans cette vaste cité, utilise ta carte. La ville est parsemée de petites balises qui représentent des missions. Tu peux les repérer sur... Une fois que tu as trouvé une mission qui t'intéresse, appuie sur la touche pour l'activer. Ensuite, quand tu quittes la carte Zoom, un indicateur à l'écran te montre la direction à suivre pour rejoindre la balise. Bon, voilà la carte Zoom. Elle est très utile. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, consulte-la pour voir tes options. Maintenant, va en ville et fais ce que tu as à faire. Voilà, donc c'est super. Amélioration disponible. Lancez-toi, appuie rapidement sur... Ah, j'ai pas vu, mais c'est pas grave. Donc ces petits devoirs là qui nous embêtent. Donc là, j'ai activé une mission hein, qu'on a vue sur la carte. Elle est à 2000 mètres devant moi, donc j'ai 2 km à faire à lancer de toile. Ouais. Yop. Donc on va essayer d'y aller. C'est pas gagné, on a des immeubles, ils sont plus grands que nous. Voilà. Je commence à mieux contrôler quand même la toile, même si c'est pas encore la joie. Voilà. Et là, je me retrouve sans immeuble. C'est super. Non, 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 non. Ok, on vient de s'écraser comme une merde. Bon, c'est super. Hop là, on va essayer d'aller là-bas. Mais c'est horrible, hein. C'est totalement... Regardez ça, comment c'est horrible à jouer. Si vous étiez derrière l'ordi, vous hallucineriez, quoi. Moi, j'hallucine. J'hallucine. J'essaie de faire des trucs, ça fait pas du tout ce que je... Mais qu'est-ce que... Oh non. Et hop, et on redescend. Qu'est-ce qu'on fait, là? On est dans un coin. Je sais même pas comment on a fait pour y aller. Je sais même pas quoi il sert, ce coin. À cette hauteur, putain, c'est horrible. Allez, encore 1000 mètres. 900, 800, bientôt, voilà. C'est plutôt rapide, comme ça, par toile. Ah là là, j'ai ratterri. J'ai encore redescendu. Yop. On monte ici. On monte. Je crois bien qu'il va falloir que j'aille sur un grand immeuble. Ouais, il n'y a rien de fluide. Dans ce jeu, il n'y a rien, il y a absolument rien de fluide. Non, 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 non. Ouh là là, c'était presque chaud. J'ai failli encore me vautrer par terre. Ma vie, bon, ça va encore. Elle est pas vide. Regardez où c'est que je suis. J'ai voulu aller à gauche. Mais où c'est que je suis? Je crois bien que j'ai fait le tour, là. Faut que je revienne en arrière, non? Où il est, mon point? Oh là là. Non, je veux pas aller à droite. Non. Mais non. Et je suis encore plus loin que tout à l'heure. Il est où? Il est derrière moi, c'est bien ce que je pensais. Hop là. Alors, enfin, il va falloir que je trouve un moyen pour monter en haut. Yop. À prendre assez d'élan. Là, c'est sur cet immeuble. Ici, là. C'est ici qu'il faut que je monte. Ah, avec les fenêtres, là, je suis... Oh là là là, non, 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 non. Ah, il est descendu jusqu'en bas. Comment je fais pour remonter tout en haut maintenant comme ça? Ça va être horrible. Surtout qu'il sait pas grimper en plus. Allez, non. Oui. Non, 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 non. Bon, mais j'ai encore atterri en bas. On peut recommencer. On va recommencer, hein. On a que ça à faire. Je veux juste... Je sais même pas comment c'est la mission. C'est pas la mission qui est compliquée, hein. C'est de monter jusqu'à la mission. C'est de monter sur un immeuble. C'est hardcore. C'est vraiment très hardcore, là. Non, non, non. Hop. Et bien heureusement que j'ai une réserve illimitée de toiles, parce que enfin, franchement, regardez ça. On se croirait sur une station... comment ça s'appelle? Les montagnes russes, les... c'est une attraction, c'est pas possible. Non. Oula. Ouh, je suis arrivé à arrêter de bouger. Il faut que j'aille là-haut. Vous voyez là-haut? Hop. Allez, allez, monte, 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 monte. Oui. Allez, monte, 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 encore, 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 encore. Oui. Oui, non. Oui, non, non. Où c'est qu'il est? Où c'est que je suis? Là, j'aimerais bien monter le long de ma toile, mais... Mais regardez ça, mais c'est pas possible.
Comment vous voulez contrôler? Je vais y arriver, je vais... Non. Et il tire plus, hein. Quand vous voulez qu'il tire une toile, il ne tire plus de toile. Vous hallucinez, c'est pas possible. De passer autant de temps sur un truc. J'essaye juste de monter. Ils avaient 30 fois, 30 fois que j'essaye là. Oui, j'étais presque. Mais non. Pourquoi? Ça est parti dans tous les sens. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà. Donc, cette mission me saoule. On va faire, je sais pas, on va faire autre chose, tiens. On va... Je peux même pas y aller. Je peux même pas les récupérer. Donc, on est pas dans la mouise. Coup de pied. Non, je viens de me faire renverser par une voiture. Ah, ce chauffard qui roule au milieu de la route. Enfin, c'est normal qu'il roule sur la route, mais... Y a pas de marquage par terre, y a rien du tout. Regardez, tout est gris. Tout est gris. Il y a un passage piéton. Et les gens qui traversent à côté du passage piéton. Et c'est un jeu pour enfants, je crois, en plus, ça. Elle vient de traverser la route comme ça. Attendez. Non, et ils font tous ça. Regardez ça. C'est sérieux. Le passage, il est là. C'était pas compliqué de faire passer les gens dessus. Eh ben non. On les fait traverser sur la route. Évidemment. Oh non. Mais c'est pas sérieux. Attends, est-ce que lui va y aller, non? Mais c'est franchement n'importe quoi. C'est franchement, il y a des passages piétons. Ils passent pas dessus. Ils passent à côté. On dirait qu'on se croirait en France. Non, bon. Ça me rappelle un peu les gens qui passent... Qui oublie que les passages piétons c'est fait pour qu'on marche dessus. Et qui passe à 10 mètres du passage. Voilà, c'est pareil, sauf que là c'est les développeurs qui ont pas fait. Je pense qu'ils doivent pas passer sur les passages très souvent. Donc voilà, ça commence à me saouler. Et voilà, donc on va s'arrêter là pour Spider-Man 3. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.